Bon, n'a pas gébé. Moi, pour me parler avec nous, parce que mon cher mon pleure. Oh, vous pas besoin de moi. Oui, c'est ça qui a tué moi. C'est vrai. Faut me dire ça, me dire ça déjà. Depuis 2007, je connais pays à privé là. En 2012, avec Rodolphe Joisy, je fais toute analyse là. Je fais toute analyse avec elle. Je dis, mais quand pays à privé, pays qu'on disparaît, nous avons perdu Haïti. Où est ça qui est là? Même le gouvernement ne comprend pas, ni pas ça. On se peut demander, moi je demander. On va mettre moi en place, moi en place. Même le gouvernement qui s'est passé là. Depuis 2007, je connais. En 2007, je confirme, lui. Mais depuis en 2000, je connais que Haïti a privé là. Bah, je ne voulais pas aller parce que je compte tout le bagage qui est pour passer. Yo. Et me dit, même la thèse, je écrit le pays qu'on disparaît. Je dis ça. Et bien, faut... Donc, merci l'État pays, nous. Et ça, vous remercie. L'État pays, vous remercie. Et Valpassa, vous remercie. Et nek sa ou pa kon doa yo, ki pa kon ki wol yo, et n'ap remercie yo, parce que n'ap gade krim ka fait an don pays. Et là, la kay voisin, mesdames, messieurs, yo continue à humilier nous. Yo continue à humilier nous. La famille, nous potons l'autre élément de formation pour nous. Merci, oui. Ou même spécial, cliquez sur vidéo, ça m'a dit un grand merci à vous même déjà abonné. Merci parce que vous like. Si vous avez une chance de participer à vous, n'a pas encouragé vos familles à abonner. De vous faire abonner, activer la cloche de notification. Sauf à ce moment, vous pouvez toujours être connecté ensemble avec nous. Donc, famille, nous connaissons l'actualité déjà. N'a pas été dans la ligne ça parce que sa compatriote, tu as passé en République Dominicaine là. Il est vraiment triste. Il est vraiment, vraiment triste. Eh bien, nous avons là, mesdames, messieurs, bientôt. Mais nous avons un premier ministre là. N'a qui dit soi-disant premier ministre, nous avons reconnu. Alors, monsieur, défend un coup de pied dans la Tibonite. Et nous, gontik à l'extrait là, m'a connu, c'est là qui tout en d'elle. Et donc, madame, monsieur, bah, yo vraiment red nan men nou. Bah, yo red nan men nou, moi-même, spécialement, et m'te capable di nou, si m'te gen moyen, nous te gen possibilité, ou même qui nan, qui en dehors pays ya, nous t'a mobilisé nous. Nous t'a mobilisé nous avec un seul objectif. Qui n'a pas entré dans le pays, nous, dans le fond révolution d'emblée. Eh bien, hier, mesdames, messieurs, malgré mon nous déporté, et il m'a gardé moins, n'importe 70 moun, eh bien, qui prend route là, y a la caille volontairement. Alors, ou même que la République Dominicaine, nous avons une possibilité, ou te ka fait le conseil, ou pas de quitter ou humilier ou, l'étape pi bon, parce que humiliation ça, mesdames, messieurs, n'a pas là, les trop pour nous. Pas que aucun haïtien conséquent, qu'a vive bagay ça, pour pas dire que les pas déranger. Parce que aucun monde ne va déranger, dépousser haïtien. Ou même qu'à garder, ou même qu'à vivre un événement comme ça. Quatre côtés n'est pas là dans le pays. Nous ne pouvons pas vivre dans le pays, nous ne pouvons pas vivre dans le pays. Qui mal nous fait. Wow. Donc, mesdames, messieurs, je me dis non. Nous sommes là, oui, bientôt. Et bientôt, nous attendons bientôt là, mesdames, messieurs, parce que, et bientôt, sous point ça, c'est sous point ça, il est important pour nous attendre ensemble avec les amis. Il faut mettre à l'appareil. Ouais, ouais. Et puis, on a fait sur la roue. Entre Haïti et la République Dominicaine, non? Wow. Que c'est la République Dominicaine qui continue à mettre l'huile sous du feu. Il mettait plus passé 500 000 Haïtiens en difficulté en terre voisine. Moi, je suis un Haïtien qui connaît la Dominicanie très, très bien. Moi, je connais le comportement dominicain très, très bien. Je connais ce qui a passé dans ce moment-là. Pas plus tard qu'il hier, qui était vendredi 4 octobre 2024. Le gouvernement dominicain a annoncé que il a déporté 1100 Haïtiens pour journée vendredi seulement. L'homme dit nous 1100 haïtiens. Les gars utilisent une quantité de camions, mais camions pas qu'à fin prendre quantité de mounio, c'est pile sous pile, c'est coincé, jeune monde, petit monde, comme si coincé, ils ont déporté 1100 haïtiens. Ils ont publié photo, tout bagay. Moi, ouais. Pour le bagay qui m'a dit, je me sens dévasté. Je me sentis que moi humilié.
comme moun. Mais il est important pour que moi continue parler parole là, parce que m'estime gen pile en pile haïtien conséquent qui rime Haïti toujours kap tande nous chaque jour et qui va jamais négliger partager émission yo avec de l'autre ami. Ça va m'en pile courage et moi remercie nous pour ça. Tout d'abord m'a dit et avec chaque grand monde kap tande m kap gade m là jodi hein, nous gagnons plusieurs points qui nous pourrons débattre dans l'émission ça. Le premier point, c'est dossier Haïti avec la Dominicanie. Ma prendre chaque grande femme avec somme qui dans diaspora, cap tande m cap gade m jodi hein. Rendez-moi service ça. Aidez on l'autre ami. Joignez émission ça parce que l'a extrêmement important pour nous. Humiliation pour haïtien. Haïtien ap mouri pas si pa la. Haïtien ap kou kite pays yo pou yo débarquer dans quel que soit pays ya. Sauf que objectif lan c'est quitter Haïti. Maintenant, qui sa pou fait? Qui sa ki solution? Avec ça gen la comme problème. Peut-être que un peu moun ka di ou gen des solutions. Mais moi-même, bon, c'est l'important pour que nous proposer des solutions à l'haïtienne. Nous sommes jeunes garçons haïtiens. Moi, je suis Haïti. Nous croyons que faut vivre la caille. Nous ne pouvons pas arrêter pour nous vivre dans des conditions pareilles comme ça. Chaque pays côté que nous passons, il y a des milliers de nous. La Dominicanie décide pour le fond un dernier coup politique. C'est avec nous-mêmes qu'elle fait, parce qu'elle a le droit pour exercer politique migratoire. Mais elle fait ça qui n'a pas respecté le droit de l'homme. Nous comprenons. Aux États-Unis d'Amérique, quelques semaines avant les élections, un président américain accusé haïtien, un ancien président américain, un candidat à la présidence, qui est influent, qui a un pile monde qui est extrêmement influent des dol, ils font mentir sur haïtien. Ils disent haïtien a volé cana moun, volé chat moun, volé chien moun, coupé tête yo al manger. Regarde la font buzz sur tout internet là. OK? Regarde la font buzz sur tout internet là. Tout moun tendez et nous garder communauté hein. Cap souffrir dans silence. OK? Mon gars de communauté hein, cap souffrir dans silence. Moi même comme haïtien qui a peine arrivé ici aux États-Unis d'Amérique, me senti indigné comme monde. Peut-être que tout le monde pas même. Mais moi, m'a dit nous ça jodi hein, et ceux qui en pile dans nous comme ça. Je ne pays sous la terre pour faire 10 ans, 15 ans là-dedans, jamais. Quand on est tout et maïd, soit tout et m'a écrasé, m'a tourné. Et m'a dit nous ça très bien. Avec ça, commencé la côte haïtienne, qui a vivre à l'extérieur pays, l'important. Un, il y a deux bagages qui vont arriver à Haïti. Il y a des gens qui sont au pays, qui ont goûté pour le pays, ça a changé. Et que le peuple qui n'a pas de prestation pour qu'on mette pied à terre pour qu'il fasse ça, il nous fait. Et que capable trouver dans l'obligation pour retourner à Haïti. Et là retourner à Haïti, il y a des bagages qui nous pas connaître. Et pas ils au cap gang non. Et pas il a cap gang non. Et pas la mensonge cap gang non, mais définitivement n'a visé exactement la classe politique là. Et le ça, on a besoin de des compatriotes haïtiens conséquents, petite de Saline qui pas peur ni de l'eau chaude, qui pas peur ni de l'eau froide, qui pas peur ni prison, qui pas peur ni l'amour, qui pas peur ni marron et qui pas peur pour personne. Et qui prend les âmes, qui fait quel que soit zac là, sous quel que soit politicien pour permettre que pays ça sonne dans la gueule nouvelle là. Parce que nous, comme haïtiens, nous c'est moun. Nous pas qu'à quitter ton pays, à détruire nos conditions pareilles. Nous pas quitter ton groupe nègre, à finir avec avenir aux jeunesse comme ça. Il n'est pas possible. Haïti gen moun. Gen moun qui remet pays là. Pendant que vous-même comme vagabond, on faut détruire avenir aux jeunesse. Pendant que vous-même comme nègre qui soit disant dit, on fait politique, on détruit un pays. Nous dit non. Et ça, il doit finir. Et quel que soit le prix à payer, il faut que les compatriotes haïtiens qui va vivre pour ça.
et n'a dit le tout. Étranger a la protéger la caille, c'est doual, c'est des voiles. Sous ces mots, nous devons féliciter pour ça. Mais par conséquent, il faut que l'étranger ça tout, qu'a protéger la caille. Faites attention. N'a ouvert bec li. Dans affaire politique la caillou. Mais comme le plus souvent, nous gassons de courage pour nous dire, et nous gagnons qui l'entourent comme haïtiens conséquents, qui comprennent ce qui a passé dans le pays, nous pas viser l'étranger directement. Nous disons, parce que j'en ai dans le pays toujours dit, si on n'a pas baillé, il n'y a pas qu'à prendre. Si on n'a pas baillé, il n'y a pas qu'à prendre. Ça veut dire que si que étranger est capable de rentrer avec autant de facilité pour lui faire des spectacles et que l'a fait, c'est que c'est le monde qui est en dedans qui baille. Mais qui est-ce qu'en dedans? L'homme gardé en dedans, c'était Jocelyn Brivert. Corrompu à dernier niveau, criminel notoire, assassin. L'homme gardé en dedans, c'est Evans Paul Kaplim. N'est que les États-Unis d'Amérique sanctionnés pour alimenter gang. Ça veut dire que ils ont été connus dans gang, mais de fait, ils deviennent chef. L'homme gardé en dedans, qu'est-ce qui gagnait? C'était Joseph Michel Matéli, drogue dealer de son État, trafiquant d'armes, drogue kidnappeur, assassin. Yo te connais, mais c'est lui qui te goumé pour devenir chef. Qui côté? En Haïti. Parce que yo même, la kayo, Matéli pas représenté yon pipe tabac pour Américain. Par conséquent, Américain te fait pression sur René Préval pour te mettre Matéli comme président d'Haïti. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que pour un petit groupe américain qui a fait politique, mais qui fouet bien que nous avons fait politique pays, Jacques Ovelé, leur hôpital, Haïti pas pays. Haïti pas de monde, Haïti pas de monde qui compétent, Haïti pas de monde sérieux. Mais de fait, yo aide vagabond criminel assassin sans conscience n'est qui pas patriote vient diriger pays d'Haïti. Par conséquent, c'est parce que yo joine des vagabonds des sans scrupules n'est qui pas remet Haïti mais qui vivent dans tête Haïti malheureusement. OK? Eh bien, nous dit par rapport avec ça qui a passé là. Jean que situation li compliqué. Gen de bagay et que nous pas accepter encore. Gen de bagay nous pas tolérer encore. Dans sens ça, n'a suspendre plein pour étranger. Parce que soit plein pour étranger c'est que ou quitter côté cadavre lanyé, ou plutôt al goumen bon côté cercueil là. Et bien dans sens ça me dit que moi me comprendre la réalité a m'a aider public pas m'en comprenne que nous pouvons pas le goumen bon côté pendant 5 heures là. Qui ça de fait? Qui ça bagalaye? Je dis, Haïti invivable pour tout le monde de bien. Ça qui mette Haïti invivable, c'est des êtres humains. Haïtiens, c'est eux qui détruisent Haïti. Ou capable toujours à étranger, oui, mais well, peut-être en troisième ou quatrième position. Ou capable ouè oligarque corrompu en deuxième, mais ouè politicien tout d'abord. Haïtien détruit Haïti. Nous pouvons j'en à côté, gen yon nan secteur privé qui rive directeur général. Par conséquent, yon se des businessmen. Yon a vann pour faire profit. Yon a vann pour faire l'argent. Ou leur arrivé dans le pays, yon une équipe sans conscience, une équipe pas patriote, arrivé dans chef, arrivé dans tête l'État. De fait, yon même, ce sont des capitalistes que yon est. Yon en fait profit. Si yon jeune pote bourré, pote bourré. Et de fait, c'est l'État, c'est politique qui vous baille. Moudot, c'est politique qui vous baille les tons, c'est politique qui vous baille balise là. Mais par le fait que politique vient sous contrôle d'un qui entrepreneur, des businessmen, des capitalistes, de fait, pays ça, son pays qui livré, pour que nèg yo fè l'argent seulement, et ben moun a pauvre, moun a effondré, nèg yo se fè kòb dans n'importe qui condition. Mais par conséquent, est-ce que c'est eux même que nous devons gen en visa nous tout d'abord? Mais non. Si c'est eux nous gen en visa nous, à n'importe quel moment ou ka replier tant kou boulos, la replier et puis voilà voye petit clair que nous pas connaît. Par contre, se comprennent. La voye petit clair que nous pas connaît. Et ben je dis qui ça moi. M'a commencé avec dossier Haïti et la République Dominicaine. Vous voulez nous prendre un nom pour que nous t'avons attendu moi pendant quelques minutes. OK? Vous voulez nous prendre un nom pour que nous t'avons attendu moi pendant quelques minutes. D'accord, garçon, nous là. Qui ça bagalaye?
Luis Abinadel, élu 19 mai, dimanche qui est 19 mai 2024, là, pour un deuxième mandat dans la tête République dominicaine. C'est le peuple dominicain qui confie, monsieur, un deuxième mandat. Ma problème, une semaine avant les élections présidentielles en République dominicaine, Santiago de los Caballeros, Luis Abinadel font discours. Quand que monsieur dit peuple dominicain, el pueblo de la República Dominicana, il dit peuple là, moi connais qui gens que nous frustrés. Moi connais qui gens que nous voulons touristes rentrer la caille non. Moi connais dans quel niveau en pile dans nous estimer que communauté haïtienne a envahi espace là et que on prend travail non. Moi promettre moi pral faire une masse déportation. Li capable aller au-delà de 300 à 500 000 haïtiens qui mettent pied yo qui retourner la caillou la voyou la caillou mais si samedi nous c'est dans 100 premiers jours ça veut dire que dès que li prêté alors on capable dire prêté serment mais que c'était 16 et d'août qui sont passés c'est ma trompe li prêté serment fait le ça l'a commencé mais 100 jours Dominique a commencé à contrôler depuis jour monsieur Eli parce que c'est lui qui était toujours au pouvoir passe à son pouvoir c'est toujours même équipe là veut dire que pas vraiment passe à son pouvoir peut-être que monsieur capable ajouter des monde ou retirer des monde dans cabinet li mais sauf que c'est toujours même bagarre c'est même équipe là en prolongation peuple dominicain ultranationaliste dominicain n'est qui pas vle ouais haïtien ou communauté qui a grandi en Dominicani actuellement là qui a avancé vers cinquantaine qui pas vle ouais haïtien mais qui gon quantité dominicain qui dans vingtaine qui que yo éduqué yo pour que yo pas vle ouais haïtien maintenant bagala vin pour dimension peuple dominicain tande monsieur dit et ben il va faire déportation massive et monsieur t'ai augmenté volume déportation et ben 3 à 4 semaines ou bien 8 dernières semaines avant les élections tande bien oui. Et puis, dernière semaine, dans Santiago. OK? Et Santiago de los Caballeros. C'est le Bidja Corazon. Corazon, bah, comme ça. Monsieur dit comme ça que, mais ça le fait dans le secteur immigration. Abinadel prend décision. Eh bien, monsieur Joanne vote ça. Monsieur élu dès le premier tour, à travers les élections. Eh bien, abdino que le Abinadel fin prêté serment, monsieur commence à rouler. Monsieur commence à rencontrer des monde. Jou commence à passer. Eh bien, une semaine avant Assemblée générale des Nations Unies dans New York, qui sont connectés passé. Gon seul escombrite qui pété en République Dominicaine. Côté que nous joignons en quantité dominicain qui levait sur tout territoire national là a demandé départ président dominicain alors a demandé a exigé président dominicain pour que li capable faire exactement ça qu'elle te promet avec peuple dominicain qui s'était déporté plus passé 300 000 haïtiens. Bon la femme, pays pour yo dit a fait yo fait le vrai. Pays pour yo, c'est sécurisé a sécurisé pays yo. C'est sécurisé a sécurisé pays yo. Qu'on y a nous même est-ce que nous pas construit pas nous? Est-ce que nous pas arranger nous mesdames messieurs pour nous construire pas nous pour nous même pour nous vivre là-dedans? Parce que un pile monde qui participe à vle ou vle, c'est condition pays qui mette au dehors. Si nous avons même une si cale de sécurité, nous avons levé un bail au pays. Nous connaissons ça la caille, nous. C'est quoi, nous connaissons ça? Ce n'est pas tout le monde qui remet pour humiliation, ça. Regardez là, ça n'a vive là. Ça n'a vive là.
Mais pas tout le monde. Les gens qui sont invivables pour ne pas vivre là-dedans. Donc, je me dis, nous avons reconnu, mesdames, messieurs, nous avons débarqué dans la ville de Saint-Marc, je dis, et il est important pour nous de dire ça, monsieur Tabdia. On nous a dit ça avec nous, et puis nous avons fait sud la boue. Il y a massacré nous. Qui ça nous fait pour nous couper avec ce type de bagage? Depuis hier matin, nous avons une disposition pour d'abord renforcer la police. Nous faisons une tag de les Donald Dessal. Nous avons une disposition avec le gros genre force sur le point de presse qui passe par la route pour venir renforcer. En plus de fait, le gouvernement nous a baissé pour les moyens, baissé pour les hélicoptères pour continuer à renforcer le point de presse. C'est pour nous renforcer la capacité de la police pour venir faire travailler. Chercher bandits de tous côtés, dénicher pour que la justice soit faite pour mener devant la justice. C'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est que les gens qui blessent. Nous prenons disposition avec le ministre de la Santé pour assurer que l'hôpital a bien ça, le besoin qu'il faut avec les responsables là pour être capable de prendre soin des gens qui blessent. Troisième priorité, nos situations de violence, ça a toujours créé des déplacés. Nous parlons avec le ministre des Affaires sociales, nous parlons avec le ministre concerné pour assurer que les gens qui ont déplacé, qui ont obligé quitter la carrière, les conditions de ça, ils des bagailles, ils ont des manger. Et jusqu'à présent, je ne suis pas satisfait, je vais retourner l'autre bois pour me provoquer tout, pour me prendre ça qui a traîné là, pour que les gens jouent aide, ils ont besoin de souffrir assez, ils ont besoin de soulagement. Mais qui constat vous fait, BM? Qui constat vous fait, les visiteurs? Nous nous rencontrons avec les leaders communautaires, parce qu'ils ont un rôle pour jouer, pour connecter les populations à la police, pour sensibiliser les populations, pour accompagner la police dans leur place. C'est comme un cap qui a fait pour nous. Cinquièmement, je dis que le gouvernement central là, comprennent les sentiments de la travail, la souffrir avec eux et que la labour. Le gain de l'âme, c'est labour. Il pas l'autre côté, c'est labour avec la population. C'est de ça nous disons. Assistance psychologique, qui j'aime comme si nous parle capable d'accompagner les gens, parce qu'en plus déplacer, besoin de ça. C'est très, très, très important, l'organe genre de drame, ça a pour les gens de base. Malheureusement, le système nous tellement appauvri. Moi-même, depuis presque 4 mois, nous avons perdu presque 25% de personnel. Tout le monde nous a gagné comme docteur qui est là, comme infirmière, nous senti ça là, le système santé. Le système santé nous tellement exposé, il y a des spécialités qu'on va même jouer. Mais ça, c'est exactement ça. Nous avons Jean-Louis de Hamsayo. Premier, ça pour mettre à la disposition de déplacer. Premier, ça pour mettre à la disposition de victimes, de survivants. C'est l'assistance aussi psychologique. Quelqu'un budget qui vous passe aussi pour l'année fiscale là, nous connaissons. Sous garde budget, après nous conseillons des dispositions bien précises. La première chose, c'est justice, c'est police, c'est sécurité. Parce que nous faut pour nous renforcer la police là. Là, il y a un bon petit temps, nous allons venir support. Là, il y a un bon petit temps pour m'expliquer mon attitude comme bagage. C'est ça. Nous avons 4 grandes références que nous avons toujours gardées dans la matière de sécurité. Premier, c'est Salvador. Salvador a 300 grandes polices pour chaque 100 000 habitants. Plus, il y a 4500 personnes dans l'armée, alors qu'il y a moitié de la population haïtienne. Alors, moi, Jamaïque, c'est même genre. Jamaïque a 300 policiers pour chaque 100 000 habitants. Alors, en Haïti, nous avons 70 policiers pour chaque 100 000 habitants. Premier problème, nous avons, c'est que nous n'avons pas assez de bras. Nous n'avons pas assez de monde pour mener le combat. Ça, sur 27 000 km. Donc, une priorité pour nous, c'est que nous voulons c'est sécurité. Parce que si nous n'ouvrons pas pour nous pas de sécurité, à nous, ça m'a dit pour nous, pour aller à Kounia fermer depuis plusieurs jours, parce que gang a tiré sous bateau et bateau dit qu'il n'y a pas fini à cause de ça. Même sécurité à côté. Le problème pour nous résoudre là, c'est masse critique de policiers et de médias pour nous. Ça me fait depuis mon idée, nous faisons la police à l'armée à faire opération ensemble. Nous se font gros opérations ensemble dans la zone Solino. Nous faisons 4 semaines à Boumé, je dis à nous avancer en pile la question sur le monde. Les sécurités font nous résoudre. Deuxième problème, la police est sous-équipée. Il n'y a pas de bataille à zone. En pile fois, il n'y a pas suffisamment de blindés. Par exemple, là, on côté Kankou, c'est mort. On côté Kankou, là, la Tibonite, la forme d'Aïen, une bonne quantité de blindés, une bonne quantité de matériel pour la police à faire le job pour faire. Deuxième priorité, c'est ça, comment on a plongé nos gens dans le budget pour assurer que la police a bien ça le besoin. Troisième,
même communauté internationale, un partenaire, nous te promettons nous accompagner. Nous te promettons 2500 soldats dans la force multinationale. Jusqu'à présent, c'est 400 seulement qui viennent. Donc, là, là, oui, ma partie, mon plan avion, m'a rappelé communauté internationale, là, que le peuple haïtien a souffri et qu'il te promet, il te prend un engagement de solidarité folle livré. Donc, ça veut dire que dans l'immédiat, il faut un accompagnement, ça, beaucoup plus que 400 pour me capable de mettre police côté pour mettre police, pour me capable de mettre sécurité côté pour mettre police, pour l'armée à la police, là, je vois lui pour accompagnement, ça, là. Ensuite, pour police, là, il y a accompagnement. Donc, ça, c'est priorité, ça, dans le BCF, la question sécuritaire, que le peuple haïtien dit, nous, c'est l'équité. Maintenant, il m'a posé une question sur le port qui est très important. Maintenant, c'est pas tout. Deuxième grande priorité, nous, c'est que nous avons 600 000 déplacés. Nous avons 600 000 monde qui vivent dans le monde, qui quittent la caillou, qui fuient la caillou, et en pile là, derrière, il y a l'atterrissement, qu'on compte ça, parce que à cause du climat de sécurité, nous déplacés ça, nous avons une crise humanitaire, fort gouvernement aidé. Donc, pour avoir le budget, pour avoir que nous prenons des dispositions spécifiques pour nous capables d'accompagner. Troisième priorité, c'est tout ça nous gagne sur le plan politique. Là. Depuis maintenant, pratiquement deux ans, le pays n'a pas un gouvernement, pas un élu, pas un gouvernement élu, pas un élu. Ça, son urgence. Il faut que la population choisisse pour les attentes. C'est pour ça que aujourd'hui, il y a un CEP, accompagné CEP, un comité responsable pour aider nous dans la constitution, parce qu'il faut absolument que dans l'élection, l'année prochaine, pour qu'il y ait un gouvernement élu en 7 février 2026. Pour y avoir une question, le paquet qui gagne dans le budget, c'est ça qu'on appelle les relances économiques. C'est tout aussi important. Et nous allons nous changer, nous allons comprendre ça. L'homme veut me joindre que Mounio dit, il faut me faire sécurité en vain. L'homme vient faire sécurité, m'a fait relance. Il me dit non. Il me dit relance en fait pour faire en même temps que sécurité. C'est pour ça d'ailleurs que moi-même voyage dans le Cap. Et nous allons nous faire la l'homme des Nations Unies. C'est que m'a dit Mounio que là, Tibonite, il y a des moyens pour nous investir dans l'agriculture. Indépendamment de sécurité, nous avons des investissements que le café dans l'agriculture, dans la Kounia, qui non seulement sont profitables, mais qui permettent de nous manger. Donc, on a fait tout ça. Donc, lorsque retourne sous poids, nous avons sous poids avec moi. Ça fait partie de nous, nous avons gardé le cadre d'économie pays même. Dans le cadre de ça, nous avons les relances économiques, dans le cadre de ça, nous avons les investissements dans l'infrastructure. Donc, dans les prochaines semaines, nous avons senti exactement ça. Ça veut dire poussément. Comme d'ailleurs, nous avons dit, nous avons un petit temps toujours, parce que nous avons quand même un peu de temps pour valider, pour avancer sur. 20 000 gouttes par an, PM, comment répartition ça pourra le faire? Est-ce que nous, dans la Tibonite, sommes capables de jouer une participation par eux? On va parler pour entrer des classes. Exactement. Absolument, absolument. Ce sont des subventions que nous avons pour tous les parents et pour comme un type d'accompagnement. L'encadre entre l'école. Il y a tout un mécanisme qui est établi pour ça, pour assurer que les parents puissent jouer une subvention. Ça. Donc, je vous demande pour nous parler à la ministre de l'Éducation nationale, qui a donné un luxe de détails sur comment on a fait pour assurer que les parents puissent accompagner. Mais ce n'est pas ça seulement fait pour entrer l'école. Il faut dire ça. Faut le document dans le département. Pour combien de temps? C'est tellement important pour nous, s'il te plaît. Rentrer l'école là, depuis que je fais réunion sur rentrer l'école là avec le ministre de l'Éducation, le ministre des Finances, le ministre des Affaires sociales et internationales, secteur privé, parce que c'est une bataille qui était le plus important pour moi pour ne pas rater l'entrée l'école. C'est ainsi que mon paquet de dispositions, livre gratis pour tout le monde, kit pour tout le monde, accompagnement et 20 000 gouttes pour parents et renforcement les reconstructions de l'école. Il y a plusieurs écoles qui construisent, mais malgré tout, il y a un pile de tout le monde jusqu'à présent par l'école et ça n'est pas acceptable. Dans une zone métropolitaine, côté nous sortons, mais nous comprenons que moi-même, j'ai un chiffre que 20 à 30% de tout le monde qui l'a gagné capable de tout le monde. Ça, c'est qui supposé faire nous tout mal. Quand Simon lui campait, il a fait post-congang, parce que, alors que lui a supposé l'école. Donc là, on a une bonne chance de faire plaidoyer ça. Et son plaidoyer collectif pour lui. Même dans le pays qui a la guerre, Simon c'est Simon, l'école c'est l'école, et Simon c'est l'école pour lui. Donc c'est bon de dire tout ça, parce que moi, j'ai une question pour l'école là. Nous faisons ça, nous ne pouvons pas bannir ça. Mais nous ne pouvons pas satisfaire. Nous avons des gens qui déplacent. Le métropolitaine seulement, nous avons près d'une quarantaine de l'école qui est occupée par les gens qui déplacent. Nous faisons ça, nous capable d'allouer l'autre local pour les Timonio, mais fort Timonio capable de tenir dans l'école. Donc, je ne pense pas que c'est seulement un affaire de 20 000 gouttes, c'est un paquet complet pour nous, comme nous assurer que chaque Timon haïtien arrive à l'école, et c'est pour ça que nous avons. Bon plaidoyer que 1000 l'école en situation difficile. Je demande pour que dédommager, je demande pour que vous permettez de retourner faire l'école dans la capitale. Donc, qui m'a gagné pour nous?
grand cadre, nous sommes dans une difficulté que moi, je c'est comment le gouvernement accompagne particulièrement l'école privée. Parce que pas oublier que 80%, 85%, l'école dans le pays, c'est l'école privée. Oui. Donc, il y a une grosse partie dans ça qui est scolariser l'école. Et généralement, lorsqu'on aide la communauté internationale, là, il y a tendance à l'école publique. Yo. Donc, on a réfléchi là, ensemble, comment nous allons nous former justement pour accompagner l'école privée. Parce que nous connaissons, si on accompagne l'école privée, la réduit, faire des scriptures de ces milieux qui sont objectifs pour bien. Mais pour le moment, je ne sais pas si un instrument pour ça. Privé, c'est privé. On a regardé pour nous comment est-ce que nous avons des incitatifs d'impôts, on a regardé pour nous comment nous avons des prêts préférentiels, on a regardé pour nous. Mais tout ça, il faut que nous comprenions, lorsque nous pays, que les institutions écrasées, l'État écrasé, il n'y a pas qu'à faire vite. Et malheureusement, nous sommes obligés de tenir sur le fur et à mesure dans notre collection. Même très content, on va profiter de nous, le chef cabinet là avec moi, nous avons reconnaître l'ancien ministre de l'Éducation, qui a dit nous, nous avons un jour levé pour ne pas rappeler que ça qui est important pour moi là, c'est à faire diminuer et diminuer. Donc ça, je vais assurer de ça. Excuse-moi, vous la question de. Ça me fait pas. Donc, il y a une force qu'il me faut pour me faire opération. Opération, il y a deux composants. Il y a opération et il y a consolidation. Opération sans consolidation, pas de dire rien pour nous. Et c'est ça qu'il faut tout, il prend un petit peu de temps. Donc, l'on rentre dans une zone comme ça, il y a un niveau de criminalité, ça, faut rentrer et puis faut consolider. Mission que me bat la police là, faut l'entrer, faut le reprendre l'espace là et faut la police consolider l'espace là. Donc, c'est ça l'objectif et c'est le résultat, ça, on m'attend de lui. Maintenant, est-ce que ça va le prendre un jour? Ou semaine ou mois, ça m'a dit ya. N'a pas demandé avec tout le monde qui pas d'accord avec ça qu'a fait là, le 17 octobre, force révolutionnaire d'entente nationale qui vient comme sigle frein a organisé une grosse manifestation, son gros soulèvement populaire. N'a pas demandé population dans tout pays à lever campé. Puis c'est gaillé, pas qui met. N'a demandé tout le monde, paraît tête nous, paraît tout corps nous, présenter physiquement. Dans la rue, hein? Et 17 ça. Réveil à Pladan, et qui est encore. Réveil était déjà annoncé. Réveil déjà annoncé pour 17 octobre. Et frère, annoncé pour 17 octobre. Nous attendons nous. Nous attendons pour nous avancer ensemble. Et bon, tout le monde connaît, dans le pays, nous gagnons. Force révolutionnaire d'entente nationale, frein, qui c'est la plus grosse plateforme politique pays à connaître, qui annonce une grosse manifestation jusqu'à 17 octobre. Là. Et ça qui arrive tout, lui continue, nous t'a souhaité tout. Que nous tout faisons seul coup de clé avec elle. Parce que faut nous retirer mon zao. Nous pas demander mon. Nous battre dans pratique. Côté que. N'a fait manifestation pour manifestation. Nous bouquons avec bagay ça. Non, manifestation. Attendez, manifestation. Nous faisons manifestation sous chaque régime. Yo, en yen pas jamais. Non, attendez, attendez. Jamais abouti à en yen. Gardez ça que fait sous Jovenel Moïse. Gardez ça que fait sous Ariel Henry. Kounya là. Si nous faisons notre bataille, que nous faisons notre bataille. Ok. Monsieur Vladimir, les abrivés, les avancés, bon coup, répondre rapide. Manifestation, t'es qu'on fait pour manifestation, yo. La presse pour beaucoup là dedans. Raison que fait la presse pour beaucoup la dedans nous t'ai créé nous t'ai créé yon André Michel les moun sérieux a manifester qui t'ai convine manifester tout pour devine faire ça le sout fait là avec Ariel Henry a faut nous prudent pour nous pas créer le tout faut nous prudent pour nous pas créer le kounya parce que grand pile l'autre pendant n'a parlé de braquer grand l'autre braquer là cap jouer braquer mais c'est pas tête tout qui braque encore. Oh, et l'autre braqueur. Gende nèg, c'est braqueur qui a joué au braqueur. C'est ça que la population, ou après n'importe nèg qui parle, qui dit c'est opposition plus, c'est ça. Ou en bas, bagay sa oudou, vive Guy Philippe, parce que c'est lui qu'on est Pablo Fer. C'est lui qu'on est l'aile du peuple là, en avant. L'aile dit oui. C'est Guy Philippe qu'on est Pape défendre poste ministériel. Et qui est-ce qu'on parle là? Nous gagnons ancien directeur général Jean-Tel Joseph. Oh. Jean-Tel a accompagné. On l'a annoncé pour 17 octobre. Attendez. Moi-même, je ne suis pas venu pour me craser et bloquer l'opposition plus jeune. Mais opposition, Jean-Tel Joseph, avec Caleb Jean-Baptiste, je dis que c'est à vous, Caleb, je vous dis que c'est vous.
parce que comportement plus semblé ti monsieur capote on pas dit gain son métier mais parce que l'or n'a gars qui frappe bouda gars qui fait bataille ça me pas comprendre c'est un série de petits braquets cap défendre poste ministère qui besoin cap goumer pour ministère défense ça dit bataille que le gars annoncé là c'est on bataille pour ministère c'est pas vraiment on bataille pour pays ça veut dire là c'est pas bataille pays ah non Jean-Tel pas fait bataille pour pays si Jean-Tel t'a fait bataille pour pays il t'a bon côté sénateur Philippe bon on est là mais tout le temps que nous recevons sénateur là dit pas grand quel problème avec Jean-Tel Joseph jodi jodi à moi son notre parole jodi à Chelson ça non coordonnateur départemental du Sud-Est, force révolutionnaire d'entente nationale frein moi déclaré et pas gen moun nan frein ka démenti Jean-Tel Joseph et Guy Philippe pas gen aucun rapport c'est lumière qui fait noir bon on nouvelle ou bay là ah bon c'est lumière qui fait noir Jean-Tel Joseph a bataille actuellement là pour joindre ministère environnement Jean-Tel Joseph a bataille pour joindre ministère environnement non c'est son attendez ba ou la gueule là oui absi a pété les senti ça oui de senti ça depuis ce sujet Jean-Tel a parlé ou te quitter ouais ça mesdames messieurs la famille a besoin de monde qui te pour dire ça non te ouais ça et ça me dit Guy Philippe le traite qui envahit l'idée qu'on y a là mesdames messieurs c'est nous mêmes qui pouvons destiner mais et nous pouvons destiner mais donc c'est donc plaisir de côté ensemble avec nous c'était puis beaux amis non nouvelle Haïti bye mes amis moi maintenant on va croiser pour l'autre détail bye compliqué.